To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text. The long lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever. L'automne, c'est la saison des couleurs magnifiques et des boissons chaudes au coin du feu. Mais c'est aussi la saison des grands débats. Certains l'adorent, d'autres la redoutent. Et vous, vous êtes plutôt team cocooning ou team baisse de morale on le sait, le stress et les changements de saison peuvent vite perturber notre digestion et déséquilibrer notre microbiote. Et quand ce dernier est déséquilibré, c'est souvent un cercle vicieux, fatigue, morale en berne et digestion encore plus difficile. Alors comment retrouver une digestion paisible et une humeur lumineuse Je vous invite à découvrir CURE, la marque de compléments alimentaires qui s'adapte à vos besoins spécifiques du moment, et je les remercie d'être partenaires du podcast. Leur formule allie des actifs essentiels comme les plantes adaptogènes telles que le boswellia à des probiotiques soigneusement sélectionnés pour offrir une solution à la fois naturelle et efficace. Et pour cet automne, Cure lance sa nouvelle gamme Synergie avec une box dédiée à la digestion, une association d'actifs brevetés pour détoxifier, protéger et rééquilibrer votre système digestif tout au long de la saison. Alors profitez à fond de l'automne avec Cure! Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possible sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast mais aussi via des formations en ligne. Ici chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie pour que vous ou vos clients puissent y retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 127 dans lequel nous allons parler de naturopathie et d'éthique. C'est un épisode plus de réflexion autour de la question de la naturopathie et de l'éthique. J'avais envie d'aborder ces sujets-là parce que je trouve que en tant que naturopathe, on a une grande responsabilité envers nos clients. Nos recommandations, elles touchent à leur santé physique, émotionnelle et parfois mentale, même s'il est très important bien sûr de rester à notre place et de ne pas se prendre pour qui on n'est pas. Par exemple, nous ne sommes pas médecins, ça c'est un point que je rappelle souvent aussi aux personnes que j'accompagne. Et donc pour moi, il est évidemment indispensable que notre pratique, elle soit guidée par un cadre éthique fort pour s'assurer que nous agissons dans le meilleur intérêt de nos clients tout en respectant nos propres limites et la législation. Et on sait qu'aujourd'hui elle est parfois de plus en plus sévère avec les naturopathes. Alors c'est très bien que les choses soient effectivement cadrées et euh, pour éviter euh, les dérives, mais c'est vrai que parfois on est un petit peu, euh, voilà, on est un petit peu embêté sur des choses euh, qui, selon moi, ne sont pas forcément les plus pertinentes, comme certains mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser, etc. Bon, c'est pas de ça forcément dont j'avais envie de, de parler euh, dans cet épisode. L'idée c'était un petit peu plus de revenir sur, euh, voilà, sur un peu toutes ces notions de naturopathie, d'éthique. Euh, euh, etc. Parce que euh, c'est des sujets que j'aborde assez souvent avec mes clients. Euh de ma formation naturodigest qui est la formation que j'ai créée à destination principalement des naturopathes, mais aussi des nutritionnistes et autres professionnels de santé. Et on discute assez souvent, effectivement, de, de cette posture de naturopathe ou d'accompagnant, et de à quel point c'est important, et il y a des choses que parfois il, il faut rappeler. Donc j'avais un petit peu envie d'en de, discuter aujourd'hui dans cet épisode. Alors pourquoi c'est important, effectivement, cette notion d'éthique Eh bien, il faut savoir que... Bon, il y a plusieurs points qui, qui entrent en jeu, mais c'est vrai qu'il euh, y a déjà cette notion de, de confiance. Euh, il est vrai que parfois, en, en séance, parce qu'on n'a pas le droit de dire consultation d'ailleurs, en tant que naturopathe, donc moi je le dis à tout bout de champ, parce que voilà, je ne fais pas forcément euh, attention à ça, même si euh, il, faut, euh, voilà, il faut rester précis sur les mots, mais c'est vrai que c'est un peu pénible de, de voir peser un peu chaque mot et d'avoir peur de dire une bêtise. Donc bon, pardonnez-moi si j'utilise des mots que je n'ai pas le droit d'utiliser. L'idée là, c'est vraiment plus de de rappeler voilà qu'effectivement en, en consultation ou en séance en suivi on y met le mot que l'on veut on se retrouve effectivement fréquemment avec des gens qui sont un peu je dirais un peu au bout du rouleau c'est-à-dire qui ont déjà vu énormément de professionnels de santé chez qui, euh, malheureusement, parfois, ils se sont pas toujours euh, sentis euh, écoutés euh, ou vraiment euh, accompagnés. Et quand je dis ça, je le précise à chaque fois dans mes épisodes, mais c'est important pour moi. Quand je dis ça, c'est pas forcément un, un jugement. Je ne dis pas ça pour euh, juger les médecins ou autres professionnels de santé ou pour critiquer. Ou euh, factuellement, il est vrai que la plupart des médecins aujourd'hui n'ont pas le temps euh, ni parfois juste euh, la formation. Pour accompagner des personnes qui ont par exemple un syndrome de l'intestin irritable, donc qui n'ont pas effectivement une, une maladie sur laquelle on peut bah, proposer un médicament ou une opération ou quelque chose. Et c'est vrai que voilà, la plupart des médecins, ils n'ont pas le temps parce que les consultations, ça va très vite et ils sont débordés de travail. Et puis aussi, bah, ils ne sont pas forcément formés à ça puisque là, ça relève plus peut-être de ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle ou la micronutrition. Ou voilà, on y met un peu, il y a différents termes aujourd'hui qui veulent dire ça. Donc, c'est vrai que du coup, on se retrouve parfois en séance avec des personnes qui euh, ont été un peu ballottées de médecin en médecin, et les médecins parfois leur disent Mais en fait, vous n'avez rien. Donc, euh, bah, soit euh, dans le meilleur des cas, ils les redirigent effectivement vers d'autres personnes, comme des naturopathes, euh, etc. Ou soit dans le pire des cas, parfois ils leur disent Bah écoutez, c'est dans votre tête, vous êtes un peu trop stressé, euh, détendez-vous et ça ira mieux. Ça arrive encore, malheureusement, euh, assez souvent euh, de nos jours. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi un peu cette notion de, de confiance aussi, d'établir une relation de confiance avec, euh, avec les clients qu'on va avoir en suivi, en, en séance, parce que euh, souvent ils, ils arrivent et ils, ils sont un peu, on est un, je dirais pas un peu leur dernier recours, mais c'est vrai que parfois ils, ils ont énormément d'attentes envers, euh, envers nous. Et c'est important aussi déjà d'accueillir ça, de, de respecter ça et de valoriser ça aussi, de se dire que voilà, c'est quand même énorme qu'ils nous fassent confiance à ce point-là. Euh, et surtout, bah, on doit encore plus renforcer bien sûr notre éthique puisque c'est important d'avoir une relation effectivement de confiance, de respecter ça, de valoriser ça. C'est important aussi d'être transparent sur les approches et les limites aussi des techniques naturopathiques, surtout quand elles sont pas forcément validées scientifiquement. Je dirais il y a plein de choses hein, en naturopathie qui effectivement ne sont pas validées scientifiquement et c'est ça notamment qu'on est un peu dans le viseur de, de pas mal de, de choses parce que, bah, parce que bon forcément il y a, y a des dérives comme pour tout mais il y a des choses qui, voilà, qui, qui peuvent paraître un petit peu bizarres parce que euh, scientifiquement c'est pas forcément validé et pour autant, bon, il y a des choses, on le sait, qui, qui fonctionnent et qui sont pas forcément euh, dangereuses, comme euh, voilà, des principes de base d'alimentation, etc. Mais c'est vrai que c'est important d'être transparent et, euh, et, et aussi sur les limites, quoi. Vraiment de, de savoir dire aussi quand ça dépasse notre cadre d'action, on va dire. Et quand il y a des choses sur lesquelles on n'est pas formé ou on n'est pas habilité non plus à accompagner les personnes. Et puis bien sûr, il y a une notion un peu de professionnalisme. L'éthique, c'est aussi un peu ce qui, ce qui distingue une approche professionnelle d'une approche non encadrée. La naturopathie, c'est vrai que c'est quelque chose qui malheureusement aujourd'hui n'est pas encadré. Et pourtant ce serait bien, c'est ce, ce qui serait le mieux pour que effectivement il y ait moins de dérives, que ce soit peut-être plus cadré, mais aussi plus reconnu, du coup plus valorisé. Donc euh, voilà, tout ça, ça fait qu'effectivement l'éthique, c'est quand même quelque chose de, de très important dans tous les domaines, mais particulièrement dans la naturopathie. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu des, j'ai envie de dire presque des dilemmes auxquels un naturopathe peut un peu faire face pour être sûr d'appliquer notamment euh, cette, cette fameuse éthique. Un des premiers points, c'est, euh, par exemple, la recommandation de, de certains euh, produits. Quand on recommande des produits, par exemple, à, à des clients et que, euh, effectivement, on a euh, un contrat d'affiliation avec un laboratoire, par exemple, c'est important de d'éviter un peu le conflit d'intérêt et de garantir que la recommandation, elle est dans l'intérêt du client plutôt que simplement dans l'opportunité d'une vente. Et ça, c'est quelque chose où, effectivement, il faut être un peu vigilant, parce qu'on peut parfois être un peu euh, attiré par euh, l'appât du gain, j'ai envie de dire, même si, bon, on parle en général de sommes quand même pas extravagantes, hein, on est loin des, de ce que les laboratoires peuvent proposer, par exemple, aux médecins, ou voilà, nous, c'est pas du tout à la même échelle, mais c'est vrai que c'est important de, de toujours... Euh, se se rappeler euh, si je recommande tel produit à tel client est-ce que c'est vraiment parce que c'est le produit qui lui convient ou est-ce que ça m'arrange un peu parce que du coup je vais toucher une petite commission dessus et euh, voilà du coup je vais gagner un petit peu de sous sur ça et ça c'est valable euh, qu'on soit naturopathe ou, ou autre hein, d'ailleurs qu'on soit euh, créateur de contenu influenceur euh, voilà tout ça bien sûr c'est des choses qui sont hyper importantes et quand je dis tout ça, c'est vraiment encore une fois sans jugement, c'est des choses que je me suis appliquée à moi-même sur lesquelles j'ai pu parfois aussi ne pas toujours être très alignée avec moi-même euh, à posteriori, me dire ouais, quand même là, j'ai recommandé ce complément. Alors certes, bien sûr, c'est qui correspondait quand même à la personne, hein, bien sûr, je n'aurais jamais recommandé un complément euh, qui ne correspondait pas du tout à une personne juste pour me faire de l'argent dessus. Mais c'est vrai que des fois, il y a un peu cet appât du, du gain, j'ai envie de dire, parce que les labos sont quand même aussi assez, assez forts pour ça. Donc c'est vrai que c'est un point aussi qui est important de, de, de savoir aussi un peu. Euh, peut-être lâcher prise sur ça et de, de vraiment se questionner, se dire voilà, si cette personne c'était euh, je sais pas un membre de ma famille par exemple, est-ce que je lui recommanderais quand même le produit? Euh, parce que bah a priori pour les membres de notre famille on veut vraiment ce qu'il y a de mieux sans forcément qu'il y ait d'argent euh, engagé et se demander voilà est-ce que vraiment euh, c'est ce qu'il y a de mieux pour cette personne ou est-ce que je lui recommande parce que un peu ça m'arrange et, et en réalité la personne pourrait trouver tout aussi bien dans un dans une pharmacie par exemple si on lui recommande une marque précise. Ça c'est des points sur lesquels il faut, il faut régulièrement se, se questionner et ne pas tomber je trouve justement dans, dans certains travers peut-être je dirais de la médecine allopathique ou où, où parfois certains médicaments sont recommandés un petit peu attire euh, rigo comme on dit euh, peut-être pas tout enfin j'allais dire pas toujours dans l'intérêt du patient non je peux pas dire ça parce que c'est pas c'est pas, pas vrai et, et, et en plus là je m'aventure sur un terrain qui serait trop dangereux et je suis pas du tout en train de faire une dénonciation ou quoi que ce soit mais c'est plus euh, voilà de, de toujours essayer de rester impartial euh, et de garder en tête effectivement cette éthique et d'éviter le conflit d'intérêts et voilà de pas promouvoir quelque chose sur lequel on n'est pas à 100% convaincu. Juste parce que, effectivement, derrière, on, on, touche, on touche une commission, ou alors, dans ce cas-là, d'être transparent avec la personne et de lui dire, effectivement, si vous commandez auprès de ce laboratoire, je vais toucher une commission euh, sur euh, ce que vous allez euh, payer, ce qui normalement, d'ailleurs, légalement devrait être fait, hein, comme euh, les créateurs de contenu, les influenceurs, etc. Aujourd'hui, légalement, ils doivent annoncer quand un, un code promo ou quelque chose est affilié. Donc, dans ce cas-là, ça peut être aussi une solution, de dire, bah voilà, je recommande ce complément parce que je trouve qu'effectivement, c'est le meilleur. En revanche, pour être tout à fait transparent, je touche une petite commission, et voilà. Et comme ça, au moins, tout le monde est au courant, la, la transparence est pour le coup, voilà, assez, euh, assez importante. Un autre point qui revient souvent dans les discussions qu'on peut avoir euh, euh, en, en, avec mes clients en, en naturopathie notamment c'est effectivement les limites de ses compétences et ça, c'est pas toujours évident parce que c'est vrai que euh, parfois, quand on se forme à la naturopathie, à la micronutrition, etc., on peut un peu tomber dans cette, euh, cette colère face à la médecine allopathique de se dire Oh là là, mais les médecins, ils ont rien compris euh, ils nous renvoient les, les clients qui sont perdus, à qui on dit que c'est dans leur tête. Du coup, on peut se dire, bah, je vais un peu prendre le rôle euh, de, de médecin entre guillemets et, euh, et, euh, et, et je vais, euh, voilà, je vais m'occuper de cette personne là où le médecin n'a pas voulu le faire. Ce qui, bien sûr, peut être le cas en naturopathie, mais c'est important de reconnaître en fait nos limites et de ne pas essayer de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, savoir parfois rediriger un client vers un autre professionnel de santé si c'est des choses que l'on ne sait pas faire ou qu'on ne peut pas faire, et aussi rediriger parfois certains clients vers un médecin, euh, même s'ils ont eu des déceptions avec des médecins, mais quand ça relève d'une approche médicale plus conventionnelle c'est à dire médecine allopathique c'est aussi important de rediriger la personne vers son médecin et quitte à proposer d'autres voilà d'autres professionnels mais voilà ça c'est important et aussi de ne pas, euh, de ne pas essayer de, de jouer aux apprentis médecins c'est à dire que techniquement si une personne vient nous voir avec par exemple des analyses sanguines euh, et qu'elle nous dit bah est-ce que vous pouvez interpréter ma, ma, ma prise de sang parce que euh, voilà je sais pas mon médecin l'a pas fait ou quoi que ce soit, euh, ce n'est pas à nous de le faire en fait. C est... On n'est pas médecin, c'est pas notre rôle. Euh, autant on peut le faire sur ce qu'on appelle des analyses biologiques préventives, donc des choses qui ne relèvent pas effectivement de la médecine allopathique. Mais euh, voilà, il y, y a déjà ce, ce côté-là sur lequel on peut peut-être dire à la personne, bah là j'ai l'impression que ces normes-là sont peut-être pas dans l'idéal, donc allez voir votre médecin, voyez avec lui ce que vous pouvez faire. Parce que nous on n'est pas là non plus, on n'est on pas censé interpréter des analyses... De sanguine, des analyses biologiques, etc. Et il y a aussi un truc qui, sur lequel il faut être vigilant, c'est de pas non plus renvoyer un client vers son médecin avec une liste de choses à voir en prise de sang. Par exemple, de dire, eh ben, demandez à votre médecin de faire telle 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 chose. Vous lui donnez la liste, il va vous faire une ordonnance et euh, voilà. La plupart des médecins détestent qu'on fasse ça, ce que je peux tout à fait comprendre. Et en plus, c'est pas notre rôle. On peut effectivement dire à la personne, bah, ce serait bien d'aller voir votre médecin pour peut-être aller vérifier un petit peu plus, par exemple, la thyroïde. Si votre médecin peut faire des analyses un petit peu plus poussées que les analyses classiques que l'on fait en biologie, ce serait super, après voilà, on n'est pas là pour lui donner effectivement une liste et lui dire demandez à votre médecin ça précisément et rien d'autre, c'est comme ça, c'est pas autrement. Là effectivement ça relève pas de notre rôle, même si bon bah parfois on peut être amené à le faire ou on peut être tenté de le faire, mais je trouve que même si c'est pas évident, c'est important de travailler en bonne intelligence aussi avec les médecins et de pas, de pas commencer à à empiéter les uns les autres sur les plates-bandes de l'autre euh, même si je sais que de l'autre côté il y a aussi des médecins qui euh, ne veulent pas du tout entendre euh, leurs clients par... enfin leurs patients eux pour le coup leur dire euh, je suis suivi par un naturopathe euh, voilà ce qui m'a conseillé il y a certains médecins qui se braquent immédiatement et qui refusent absolument euh, le dialogue donc, bien sûr, que il voilà, n'y a pas de situation idéale, mais c'est vrai qu'idéalement, euh, dans un monde de bidounours, ce serait bien qu'on puisse travailler, comme c'est le cas dans certains pays, euh, un petit peu en duo, en bonne intelligence. Moi, j'ai quelques médecins dans mes contacts et je fais régulièrement appel à eux en disant bah, Là, par exemple, euh, qu'est-ce que t'en penses Moi, je n'ai pas du tout les compétences et je ne vais pas m'avancer sur ça. Est-ce que tu as une recommandation, quelque chose, euh, un point où il faut que je fasse vraiment attention fin... Et c'est mieux si effectivement on peut travailler en, en bonne intelligence euh, comme ça parce que euh, je pense qu'on a les deux euh, équipes, j'ai envie de dire, ont des choses à s'apporter. Mais, euh, mais voilà, il faut pour ça euh, pouvoir euh, établir un dialogue et pas non plus essayer de prendre le rôle de l'autre. Et puis c'est vrai que par exemple pour un cas euh, classique, euh, moi si quelqu'un vient me voir euh, pour un suivi naturopathique et me dit, euh, voilà, euh, j'ai euh, euh, une douleur euh, aiguë dans le ventre ou j'ai euh, des diarrhées qui ont démarré il euh, y a trois semaines, euh, euh, qu'est-ce que je peux faire et que la personne n'a pas vu un médecin euh, moi c'est direct je dis à la personne non vous allez voir votre médecin en fait parce que là ça peut être grave c'est important qu'il y ait un diagnostic médical qui soit posé pour dire soit, ok, c'est bon, il n'y a rien de grave, euh, c'est fonctionnel, entre guillemets, donc bon, bah, allez voir votre naturopathe, il va vous travailler sur l'hygiène de vie, etc. Ou, euh, bah, non, là, en fait, il y a vraiment un problème et il faudrait pas passer à côté. Donc, euh, c'est voilà, pour ça que c'est important aussi d'avoir cette complémentarité des approches quand c'est possible et de ne de pas, euh, pas essayer de jouer un peu aux apprentis médecins alors que ce n'est pas notre rôle. Il y a un autre point aussi, c'est que euh, c'est pour tout ce qui est justement revenir un petit peu sur ce qui est non prouvé euh, scientifiquement. C'est vrai que je pense notamment aux analyses, il y a beaucoup d'analyses comme l'analyse de microbiote où voilà, il y a beaucoup de médecins qui bondissent quand on leur parle de ça et qui disent que ça sert à rien, c'est pas du tout prouvé scientifiquement, on n'a rien à proposer aux personnes en termes de, de médicaments, etc. en complément, donc... C'est nul, ça sert à rien. Je pense que la vérité se situe un petit peu au milieu, euh, mais c'est vrai que c'est important de rester transparent aussi auprès des, des, des personnes que l'on accompagne euh, et d'être honnête. Moi en général je suis très honnête de dire bah, l'analyse de microbiote, la plupart des médecins sont pas trop d'accord parce qu'effectivement on n'a pas un protocole précis à proposer à une personne en fonction de son microbiote. Peut-être qu'un jour on pourra, je l'espère. Mais euh, voilà, donc il faut toujours rester transparent avec les personnes et leur dire voilà, si on fait ça, c'est vraiment plus pour avoir une indication essayer d'aller travailler dans dans ce sens-là, mais ça ne remplace en aucun cas, ce n'est pas un diagnostic. Déjà, on ne pose pas de diagnostic, surtout pas en naturopathie. Et l'idée, c'est effectivement d'aller y voir un petit peu plus clair, mais ça n'est pas ça n'est pas quelque chose de, de, de valider scientifiquement, de prouver scientifiquement. On y met un peu les, les mots que l'on que l'on veut, mais voilà, c'est important de, je trouve, d'être assez transparent avec les personnes parce que ça leur permettra aussi, si jamais elles en parlent à leur médecin, par exemple ou à des proches et que ces personnes là leur disent oh là là mais tu devrais pas faire ça c'est pas du tout prouvé euh, c'est du flan, ça c'est pas du tout fiable etc au moins elles elles seront au courant elles, elles vont pas tomber des nuits et dire ah bon mais mon naturopathe il m'a pas dit euh, moi je pensais que c'était hyper fiable, hyper euh, euh, prouvé scientifiquement etc au moins les personnes savent en tout état de cause et se disent oui bah ok certes mon médecin sera pas trop d'accord si je fais ça mais moi j'ai choisi de le faire euh, je comprends pourquoi j'ai envie de le faire, par exemple, et donc euh, voilà, c'est important de garder aussi des, des attentes réalistes et euh, de, de toujours rester transparent avec la personne euh, par rapport à ça. Il y a un autre point aussi qui est, qui est pas évident et sur lequel c'est parfois compliqué de trouver la bonne posture, c'est par rapport aux attentes que peuvent avoir les, les personnes qu'on accompagne en naturopathie. Euh, c'est vrai qu'encore une fois, quand les gens arrivent un petit peu au bout du rouleau et, et du coup euh, s'attendent à ce qu'on leur trouve la solution euh, miracle, et ce, qui est, ce que je comprends tout à fait, hein, quand on a été ballotté et que là on n'en peut plus, on est tellement mal, on a besoin de réponse, on a un peu l'espoir que la personne nous dise Ah, mais voilà, c'est là le vrai problème, il suffit de prendre une pilule magique et tout ira mieux. Bon, bah ça, euh, voilà, il faut toujours, pareil, on a vraiment un rôle d'éducateur en tant que naturopathe et c'est vraiment important. De bien rappeler aux personnes que ça ne se fera pas du jour au lendemain, que ça va probablement nécessiter des changements qui vont peut-être être inconfortables, qui vont peut-être être pas évidents à mettre en place au début, et que la naturopathie, c'est pas une remède miracle, c'est peut-être moins rapide que la médecine allopathique, mais en revanche, c'est des choses qui sont. Des fondations en fait qui vont vraiment tenir sur, euh, voilà, sur le long terme, qu'on va vraiment aller travailler sur la cause de la cause de la cause et que ça parfois ça prend du temps parce que des fois c'est des choses qui remontent à très longtemps et qu'effectivement les résultats ils seront peut-être pas visibles tout de suite et que euh, c'est plus euh, quelque chose que l'on fait pour effectivement améliorer sa vie sur, euh, sur le long terme et de, de manière euh, durable. Mais c'est vrai que ça peut être frustrant aussi quand on accompagne quelqu'un qui n'a pas les résultats euh, espérés de notre côté et du sien et de se dire ben bah, qu'est-ce que je fais en fait est-ce que euh, parfois il faut aussi dire euh, voilà j'ai atteint mes limites de compétences euh, et voilà moi ça m'est arrivé avec avec certains clients ou clientes de dire euh, Honnêtement, si je continue à vous accompagner en naturopathie, ce serait, ce serait presque pas euh, éthique, justement, pour vous, parce qu'en en fait, moi, j'ai atteint à peu près mes limites. On, on a eu plein d'améliorations sur ça et ça et ça. En revanche, sur ça et ça et ça, euh, on n'a pas d'amélioration. Et là, honnêtement, ça ne relève plus de. J'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez de connaissances, donc je préfère vous rediriger euh, vers quelqu'un d'autre. Euh, C'est pas évident, parce qu'on peut le voir aussi comme un échec de se dire, ah bah, j'ai pas réussi à accompagner telle personne. En revanche, il y a quand même plein de choses à voir derrière. Déjà, il faut voir, est-ce que la personne elle applique effectivement euh, suffisamment et correctement ce qu'on lui préconise, parce que ça, ça ne relève pas que de nous, hein. bien sûr, on peut accompagner la personne, lui expliquer pourquoi, faire en sorte que ce soit le plus simple pour elle d'appliquer ce qu'on lui conseille, mais après on n'est pas dans sa vie, on n'est pas avec elle au quotidien, on ne sait pas effectivement est-ce qu'elle applique, est-ce que est ce qu'elle qu nous dit est vrai aussi, parce que des fois les personnes n'appliquent pas, mais elles ont un peu honte de nous le dire, du coup elles disent oui, oui, si, si, j'ai tout fait bien, etc. Bon bah des fois c'est pas toujours la vérité. Des fois aussi, les personnes, effectivement, appliquent très bien ce qu'on leur conseille, mais simplement, ça ne fonctionne pas, entre guillemets, sur elles pour plein de raisons, parce qu'on est tous différents, parce qu'il y a énormément de facteurs qui influencent la santé, parfois, il y a des choses qui sont assez incompréhensibles aussi, parfois, il y a des choses qui relèvent plus du domaine émotionnel, parfois, à l'inverse, il y a des choses qui relèvent plus du domaine physique. Euh, donc voilà, donc il y a plein de facteurs qui peuvent faire que... La personne n'aura peut-être pas forcément les résultats qu'elle espérait elle, ou les, ré les résultats que vous espériez vous. Mais bah, des fois, il faut aussi euh, soit expliquer à la personne que ça peut prendre plus de temps, ou soit euh, parfois dire, écoutez, là, je, honnêtement, je ne, je ne sais pas, je ne comprends pas. Euh, euh, voilà, il faut aussi parfois être assez humble et dire euh, bah en fait euh, moi j'ai un peu atteint euh, mes limites et c'est pas forcément un échec, c'est aussi très je trouve euh, très euh, humble et très éthique aussi de dire à la personne quand euh, bah, là on a l'impression que nous on peut plus forcément l'aider comme il faut. En revanche l'intérêt c'est quand même plutôt de pouvoir rediriger la personne vers quelqu'un d'autre si besoin et de pas juste laisser la personne comme ça en disant bah débrouillez-vous parce que moi je sais plus quoi faire pour vous c'est un petit peu violent quand même. Donc euh, voilà, donc c'est important aussi, c'est pour ça d'avoir quand même un réseau euh, assez solide pour euh, pouvoir déjà demander des avis extérieur parce que tout seul on réfléchit peut-être pas forcément toujours très bien par rapport à certains cas assez complexes. Donc faut pas hésiter à demander un peu aux, aux, aux collègues ce qu'ils en pensent et puis aussi pourquoi pas rediriger vers d'autres personnes si nous on, on sent qu'effectivement on a un peu atteint nos limites. Donc voilà, j'en je, arrive à peu près à la fin de, de cet épisode un petit peu différent, un peu plus de, de réflexion. Euh, L'idée c'était vraiment aussi un peu de vous partager les discussions que l'on a effectivement avec, avec les personnes que j'accompagne et je trouve que c'est des discussions qui sont hyper intéressantes et hyper importantes aussi. Et on a aussi un rôle de. de on dit souvent hein, que les naturopathes, on est plutôt éducateurs de santé, on a un vrai rôle d'éducation, d'expliquer les choses aux gens. Mais il faut aussi parfois expliquer ce qu'est la naturopathie et ce que ça n'est pas, euh, ce que voilà, ce que ça ne sera jamais, ce qui ne rentre pas dans le cadre de la naturopathie, parce que parfois aussi pour les personnes, c'est pas toujours évident. Euh, parfois les personnes se disent juste que les naturopathes, c'est comme un médecin, mais qu'avec des produits naturels. Et que du coup, il y a juste besoin de prendre quelques compléments alimentaires naturels et il n'y a pas besoin de changer son hygiène de vie. Donc parfois, il faut aussi expliquer que c'est pas forcément ça, et qu'au contraire, on se base beaucoup sur l'hygiène de vie, et parfois, les compléments alimentaires sont, comme leur nom l'indique, des compléments, euh, et c'est pas forcément le premier réflexe à avoir, euh, voilà, donc c'est un épisode plus, euh, voilà, de réflexion que... Que je fais aussi pour moi hein, parce que bah, au cours de ma pratique tout ça c'est des choses que j'ai dû aussi me rappeler c'est des choses sur lesquelles j'ai dû travailler euh, c'est des situations qui sont parfois pas évidentes mais euh, voilà je trouve que c'est aussi comme ça qu'on grandit quand on fait un peu face à tout ça et que il faut trouver un peu le juste équilibre entre se faire confiance mais ne pas chercher à jouer un rôle qui n'est pas le nôtre et ça c'est euh, un, euh, un peu le challenge je trouve dans la pratique de la naturopathie ou d'autres accompagnements mais pour autant, c'est aussi ça qui est, qui est très beau et qui fait, je trouve, la force justement de, de l'accompagnement. Donc voilà, je voulais rappeler, donc effectivement, un petit peu cette éthique. Alors, bien sûr, encore une fois, sans jugement, l'idée c'est pas de, de me positionner en hein. moi j'ai tout vu, tout fait et je vous explique ce qu'est qu l'éthique en naturopathie, pas du tout. Encore une fois, cet épisode c'est vraiment aussi un cheminement par lequel je suis passée, j'ai fait plein d'erreurs et voilà, et peut-être que j'en ferai encore, c'est fort probable, mais, mais voilà. L'idée, c'est si vous êtes aujourd'hui vous, naturopathe ou euh, accompagnant de soins de santé, professionnel de santé, je trouve que c'est toujours intéressant de... De réfléchir parfois, de prendre le temps de réfléchir un petit peu aussi à toutes ces valeurs un peu éthiques, de réfléchir à notre pratique, à, aux choses que l'on peut faire un petit peu pour rester le plus aligné possible avec, avec ces valeurs-là et tout en respectant les attentes des clients et en, voilà, en étant le plus transparent et la plus transparente possible. Donc j'espère que ce petit épisode réflexion vous aura plu. N'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram si c'est le cas. J'aime toujours beaucoup avoir vos retours sur les épisodes. C'est aussi très précieux pour moi de voir un petit peu ce qui vous parle, ce qui vous parle moins. Vous avez le droit aussi de m'écrire sur Instagram pour me dire mais c'était quoi cet épisode J'ai rien compris là. <laughs> ce podcast il est aussi vraiment là pour vous et l'idée c'est vraiment qu'on puisse échanger à ce sujet. Donc je suis tout à fait ouverte au dialogue. N'hésitez pas à me contacter pour cela. Et si vous aimez le podcast et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous remercie infiniment si vous prenez le temps de le faire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous. To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text. The long lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever. Bye-bye.